Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Alors j'aurais aimé prendre Oriza pour la montrer, malheureusement ça va être très compliqué pour quelques temps, tout le monde va la pique. Donc nouveau personnage qui est arrivé sur le jeu, nouveau off-tank, on va pas appeler ça un tank, ça sera plutôt un off-tank. Je l'ai beaucoup joué hier soir, elle était pas mal. Elle était pas mal. Ah bon, pour YouTube vidéo. Bon bah écoute, ça va pas lui donner. Hein. Ça va pas lui donner. En tout cas, un off-tank assez intéressant. Franchement, quand je l'ai joué, j'ai trouvé vraiment presque trop puissante. Et surtout, en duel, pour l'instant, elle va être extrêmement complexe. Puisque jusque-là, en termes de skill de duel, en fait... Il n'y en a pas, elle est... alors c'est à dire qu'en fait elle a un passif qui fait que dès qu'elle tire elle est très très lente. Quand tu tires elle est très 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 lente et du coup bah ça réduit les capacités de skill en termes de... Alors pas en termes de kit mais en termes de joueur, hein, de la façon dont tu la joues. Oula, il y a une fatale. Je suis le premier surpris. Oh, elle est pas passée loin de ta tronche, celle-là. Putain, elle me saoule, ça, à faire ça. Oh! Bien joué! Voilà, c'est moi qui t'ai eu. Ah ah! Elle a posé son shield en face, vous voyez qu'on a un shield d'un côté, ils ont un shield du leur. Alors ce qui serait cool c'est que... Alors par contre vous voyez du coup j'ai pris un pic qui va... Contrairement... oh là là. Totalement contré. Ah putain, il y a leur putain de fatale qui me crible de coups. Ah putain. Et on n'a pas un seul gars pour la défoncer. Le problème c'est que comme je suis tout seul sur... comment... Voilà. Hop. Ah la vache, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. On y va. Donc on n'est pas en compétitive, on est en mode classique, hein, en quick play. De toute façon, elle est désactivée du compétitif dans quelques temps. Oh là, on est mauvais. Putain, ils sont à deux sur ma gueule, voilà. Voilà pourquoi je n'aime pas mon équipe. Enfin bon, c'est pas grave. Faut dire que j'ai overextend de la mort qui tue, là. Je voulais juste tenter de choper la putain de fatale, mais bon. Je devrais même pas rester avec Pharah, normalement. Ok. Bon, c'est pas plus mal. Personne qui vient. Bon, bah voilà. Donc, je reprends pas Pharah sur la prochaine map. Tout simplement parce que s'il y a une... Si Fatal continue en face, ça va être catastrophique. Je préférerais prendre un personnage qui a du hitscan. C'est-à-dire une capacité de tir extrêmement proche de là où tu vises. Qui n'est pas de travel time, vous savez, de durée de déplacement en termes de dégâts. Et donc, je partirais bien sur... Eh bien, écoutez, très peu de choses. Puisque là, si je peux partir sur Ana. Mais sachant que Fatal versus Ana, je risque de perdre.
Il faut que je puisse quand même counter la... la Pharah en face. De toute façon, je pense pas qu'il y ait de fatal cette map. Je trouve pas ça opti. Putain, ouais, j'ai stressé. Alors faut le temps que je me remette. Hein. Oula! Un petit somme ne ferait pas de mal. Ok. Ça c'est fait. Ok. Faudrait que je mette... Voilà. Crac. Ah, ça commence à live les games. Ah, c'est leur fatal qui a live les games. Bon, en même temps, quand t'insistes sur fatal, en même temps... Vas-y, il. Vas-y, profite. Profite du boost. Oh là. Oh, mouais. Allez, vas-y, reviens, j'attends. Ok. Sauvé par... Ah, je suis mauvais. Je suis très mauvais. Je devrais pas me foirer sur ces tirs. T'as un problème de heal, Orisa? Oh! Orisa boost! Prête à administrer mon nano boost. Nano boost prêt. Qu'on rigole! Oh là! Ok, boost me! C'est qui parle? Bah vas-y, boost. Aïe! Aïe! J'ai pas de greu, hein! C'est pour le Genji? Non, c'est pour ma gueule! Ah non, c'était elle. D'accord. Eh, dommage. Donc, ils apprécient pas. Je crois que ça doit être en plus leur leur Pharah. Non, Galekor, c'est pas la Pharah. Alors, la Pharah, c'était qui? Poulet géant. Poule géante. D'accord, donc en fait, c'est pour ça qu'ils me focus. Enfin, aussi parce que je suis heal, accessoirement. Mais bon. C'est la blague. Donc je sais pas ce que ça donne une Orisa boostée, mais de toute façon tous les tanks en boosté ils sont assez épiques. Voilà, bon, c'est pas grave, je l'ai chié. Attends Lucio. Non c'est Macri. Bon bah voilà. C'était rigolo. C'était rigolo. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est rare hein, des Lucio en action de la partie. Boum! Allez, tu voles. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and days. Spread my wings and fly away. Je suis pas là, c'est pas grave. J'en ai rien à cirer, je vote pour personne. On continue peut-être avec eux pour voir. On va bien voir. On va se faire quelques... Ah bah, on va pas continuer avec grand monde, finalement. Crac. Bon, on n'a pas été hyper efficace, hein. Tant que j'augmente ma moyenne, bon voilà. Après, j'ai pris cette Pharah là. J'aurais dû la changer dès le départ. C'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire... m'occuper de la Pharah. qui a fini par rechanger. Donc ça, c'était cool. Ah, je suis avec poule géante, pardon. Ouais, bah, cette façon, j'imagine bien que Dr. Crab, il va pas la lâcher, hein, ça commence à Orisa. Alors que... Ici, personnellement, je la sens pas forcément. Ah non, il l'a déjà prise, merde. Bah, j'ai pas envie de healer, hein, donc tant pis, hein.
On a 4 DPS, je vais pas heal. Hein. Clairement, je vais pas heal. Hein. D'ailleurs, je vais prendre un héros qui se heal tout seul, comme ça, ils vont bien comprendre. Le motard de l'apocalypse, c'est moi. Le vent du nord souffle des oies sauvages, et la neige va tomber à flocons. Oui, alors c'est-à-dire que, chers amis, moi je rage un peu parce que même en compétitif, les gens ne veulent pas heal. Du coup, je finis souvent par healer. Pour ceux qui vont voir de temps en temps mon profil Battle.net sur le site d'Overwatch, ils peuvent voir que je... Bah, du coup, en main, j'ai Mercy, j'ai Ange en main. C'est un peu dommage. Vas-y, tirez ma dessus. Voilà. Tiens, prends un petit coup de... Voilà. M'en fous, j'ai eu mon kill, ce qui n'allait pas être le cas de nos DPS. Ce qui fait que j'ai dû aussi regrimper en termes de voilà d'ult. Par contre, ils ont le point. Mais enfin, en même temps, on a deux flanqueurs, un défenseur, un attaquant. L'attaquant est niveau 6, un flanqueur est niveau 9. Là, la partie, elle est pas juste du tout en termes d'XP, quoi. Alors, faire attention parce que je ne fais pas le poids face à une Orisa. Avec... Non, tu t'en iras pas. Ok. Putain, connard de Genji. Ah, puis je suis bump de partout. Bon, c'est pas grave. La partie en tout cas n'est vraiment pas juste en termes de level. C'est un peu dégueulasse. C'est même complètement dégueulasse. GG. Mais c'est vrai qu'il est, il est d'une précision incroyable le gun de... Ah, je l'ai loupé. C'est quoi? Il la place plus au-dessus de moi? C'est dégueulasse. Il l'a placé genre 2 mètres au-dessus. Normalement, il vient la placer devant, c'est pour ça que j'ai baissé, moi. Ah, de toute façon, j'ai très très peu joué suite à l'amélioration du... Enfin, l'amélioration du hook de Rodog. Donc, j'ai très très peu joué et je sens que je le paye. Je sens que je le paye. Putain! Allez, un petit coup de heal parce que là ça va plus sinon. Je serais pas contre un deuxième petit coup de heal en plus. Il y en a un qui va descendre. Bien joué. Bien joué, bien joué. Oh là, ça quitte. Je crois pas que les mecs ils quittent comme ça pour une partie en quick play quoi. Enfin, tu me diras, je préférerais encore qu'il quitte en quick play qu'il ne quitte pas en compétitive.
clairement là, ce serait préférable. Mais bon. Alors est-ce qu'on va avoir le temps? Bah non, on n'a pas le droit de repique entre deux. Donc on va quitter l'équipe entre deux épisodes. On verra bien. Au passage, moi, je... Level des avantages. Voilà. Parce que beaucoup de personnes disent... oui, bonjour, merci. Beaucoup de personnes disent que les levels, ouais, t'es level 200 ou machin n'importe quoi, t'es level platine. Et tu... Voilà, quand tu t'appelles poule géante, c'est que t'es français. J'aime bien les gens, ouais. Ouais, ça c'était la pire des conneries à pas faire. Non, je crois que là je peux plus... je peux pas rester avec elle si... Tiens, par contre ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Que la plupart des gens qui se plaignent. Hop. Si quelqu'un peut s'occuper de Pharah, ce serait cool. Mais apparemment non, hein. Donc Idaho qui change pour un... Ouais, je peux pas m'occuper de tout non plus, hein, même si c'est pas à moi de tirer sur la Pharah. Mais bon, il a raison, hein, mais je vais finir le boulot. Peut-être qu'il va le prendre le heal. Non? Non, là il faut grouper, hein, faut pas rush sur le point. Non, poule géante, tu veux pas prendre un... Voilà. Oh, c'est débile. C'est débile. Mais voilà. C'est pas grave. La moisson des âmes va commencer. Je ne suis pas un psychopathe. Je suis un psychopathe de haut niveau. C'est quand même dommage, hein. Et j'aime bien comme poule géante ignore les autres. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas terminé. Je sécurise IEM activé. Additionnel. GG. Bon, je fais que du caca, mais... On remarquera que je me fais abattre pratiquement que par des... enfin, en tout cas emmerder que par des gens qui sont hors de ma portée. Donc c'est plutôt une bonne chose pour eux, ça veut dire qu'ils font bien leur job. Ah, je suis mauvais. Oh, je suis pas tout à fait d'accord. J'étais parti bien loin. Normalement, si... Ah, bon, pourquoi pas. Ah non, d'accord. Peut-être la lenteur du personnage. J'ai pas l'habitude de prendre Reaper, mais je sais qu'il est pas extrêmement rapide en lui-même. Hein, si ça se dit comme phrase. Chacal gonflé à bloc. Ils ont toujours un Genji en face.
Oh putain. Il te cale des flèches, ce con. J'aime pas quand ça fait ça avant, vous voyez. Quand ça fait ça avant, c'est pas bon signe souvent, je trouve, moi. Le ça, là, c'est... Hop là. Ah. Ouf, je suis mort juste avant. Ouf, dur. Dur, dur, dur. On aura fini par avoir un heal. Qui c'est qui a fini par le prendre? C'est le poule géante. Bah tu vois. Ah merde. Vois quand tu veux ma poule. Hein, il. Fâche. Dégâts bloqués 12k. Ouais, c'est à peu près ce que je faisais hier soir. C'est compliqué à caler en fait le bouclier. On se rend compte qu'il faut le caler vraiment le plus tôt possible pour l'avoir derrière réactivable. C'est-à-dire que quand vous lancez le shield, le cooldown commence déjà pour le prochain. C'est pas à la fin du shield. Du coup, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, vous le placez, il reste, et pendant ce temps-là, l'autre recharge. Et quand vous voyez que, par exemple, l'attaque se fait ailleurs, vous le redéplacez, pardon. Ou encore, vous, une fois qu'il est à deux doigts d'être pété, une fois qu'il est pété, vous le replacez. C'est assez génial, en fait, à caler. Parce qu'on a l'impression d'être toujours... Enfin, si vous arrivez à prendre de l'avance, vous avez l'impression d'avoir toujours un espèce d'ascendant sur l'ennemi. Et c'est pour l'avoir joué contre des Orisa qui étaient de ce genre-là aussi, alors que j'étais un DPS et pas Orisa. C'est assez chiant, parce que tu te rends compte que... Ah putain, je viens de me casser 3 chargeurs dessus en me disant que ça allait être bon, et finalement, non. Donc voilà. Et bien écoutez, chers amis, du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop.